Bonsoir. Bienvenue à cette projection de Ithaca, un film sur, documentaire sur le combat pour la libération de Julian Assange. Je remercie les personnels de l'Assemblée qui permettent cette diffusion. Je remercie le collectif Julian Assange qui m'a proposé. Et je remercie mon équipe et notamment Héloïse qui a géré tout ça de début à la fin. Pourquoi faire cette projection ce soir? Bon, ben d'abord, c'est parce que c'était la date de disponibilité de la salle. Mais on peut faire de nécessité vertu, puisque il se trouve qu'on a appris entre-temps que l'audience, la dernière audience, l'ultime recours de Julian Assange contre ses menaces d'extradition vers les États-Unis aura lieu dans 15 jours. Et donc, il y a un sens à diffuser ce documentaire qui a déjà beaucoup tourné, donc, ce qui explique aussi que les gens les plus connaisseurs et les plus impliqués dans le combat ne sont pas là, puisqu'ils l'ont déjà vu plein de fois. Et comme les autres, pour des raisons qu'on va dire ici, il n'y a pas malheureusement une audience de masse et une couverture de masse à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour libérer Julian Assange. Ce qui fait qu'on peine à entraîner le grand nombre sur ce sujet alors que ce serait fondamental. Je rappelle que Julian Assange risque 175 ans de prison s'il est aux États-Unis au terme d'un procès ou devant une cour spéciale où il ne pourrait répondre que par oui ou par non, comme au temps du macartisme. Et hier encore, la rapporteure spéciale de l'ONU contre la torture, rien que ça, a demandé à ce qu'il ne soit jamais extradé. Alors tout a été dit sur Julian Assange, y compris les pires accusations alimentées par les officines, disons-le clairement. Mais peu importe que ces accusations soient démenties par la justice les unes après les autres, ce qui comptait pour les calomniateurs, c'est que la calomnie circule, fasse son œuvre, et que justement, on essaye de discréditer le combat d'Assange pour que ça ne devienne pas un combat de masse. Vous savez comment on dit, hein, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Parce que dès lors qu'elle n'est pas recouverte par le brouillard de la rumeur, la parole du fondateur du Wikileaks, la parole du journaliste le plus primé du XXIe siècle, la parole de celui qui a été plusieurs fois nominé au Nobel, sa parole est extrêmement puissante. On doit, je vous le rappelle, à Wikileaks quelques révélations majeures. Notamment l'ampleur des mensonges et de l'illégalité, donc, par exemple, de la guerre en Irak et des crimes de guerre commis par la même tout au long de l'occupation américaine. On leur doit une bien plus grande connaissance de l'ampleur du système de surveillance de la NSA et tout un ensemble de révélations. Sur ce point, sur l'ampleur des écarts, des crimes commis par les États-Unis, notamment dans la guerre en Irak et dans la surveillance de masse qu'ils organisent, ça enfonce un coin dans le discours selon lequel le monde occidental, et en particulier le pays qui est censé incarner le plus le monde occidental, défendrait les valeurs de liberté, de démocratie, etc. Parce que des dictatures fassent ça, j'ai envie de dire, dans l'imaginaire collectif, c'est attendu. Mais que des démocraties et que des pays qui donnent des leçons à la planète entière sur ce thème commettent ce genre d'actes et les assument, plus ou moins, c'est beaucoup moins attendu. Et ça rappelle que pour beaucoup, désormais, y compris chez nous, et on le voit très bien en ce moment, la rhétorique sur la démocratie, les droits de l'homme, etc., au lieu d'être un combat concret, universel, est devenue une simple coquille vide qui sert à des fins purement identitaires. Nos valeurs. Nous défendons nos valeurs contre le reste du monde. C'est quoi nos valeurs? Comment les définissons-nous? Comment sont-elles mises en pratique? Dans quelle mesure sont-elles bafouées dans nos propres actions? Ça, jamais de débat sur le sujet. Il y a le bien, il y a le mal. Et pourtant, il y a des principes, et c'est pour ça que je ne parle jamais de valeurs, moi je parle toujours de principes, parce que les principes, c'est intemporel et universel. Un crime de guerre, c'est un crime de guerre. Quel que soit son auteur, que ça ait été commis par une dictature, par une démocratie, par un espèce de truc hybride entre les deux, un crime de guerre, c'est un crime de guerre. Une guerre illégale, c'est une guerre illégale. Qu'elle soit menée par la Russie
en Ukraine ou qu'elle soit menée par les États-Unis en Irak. Un crime de guerre, qu'il soit fait par le Hamas ou qu'il soit fait par l'Israël, c'est un crime de guerre. Et je le précise parce que beaucoup prétendent que ça n'est pas applicable aux organisations non étatiques. C'est faux. Le droit humanitaire et le droit de la guerre étaient applicables aux organisations non étatiques. Je rappelle par ailleurs qu'Assange a révélé l'ampleur des manipulations de la surveillance de masse contre les Russes par leur propre régime. Je le dis parce que Assange a été accusé de tout et il a notamment été accusé d'être pro-Poutine. Puisqu'il s'attaquait aux États-Unis, à l'Empire, il était forcément à la solde de l'ennemi, du mal, donc de Poutine. On a même entendu dire qu'il était pro-Trump parce qu'il avait révélé les manipulations et les trucages de la primaire par Hillary Clinton contre Bernie Sanders. Donc, mécaniquement, il était pour Trump. Chercher l'erreur le mandat de Trump n'a fait qu'alourdir les peines contre Assange, qu'il n'a jamais été question pour Trump de la moindre mensuétude vis-à-vis d'Assange. Je m'étonne d'ailleurs qu'en France, un certain nombre de soutiens à Assange sont en même temps des grands soutiens de Trump et diffusent une conception du journalisme en tout point opposée à celle que défend Assange, parce que c'est leur liberté, mais il y a comme une sorte de contradiction dans les termes. Et enfin, je rappelle que pour nous, Français, nous lui devons des informations qui nous concernent directement et qui sont de la plus haute sensibilité et d'un grand intérêt. Par exemple, c'est grâce à Wikileaks qu'on sait l'attitude extrêmement complaisante qu'a eu à l'époque celui qui allait plus tard être le président de la République, un certain François Hollande, qui avait été rampé à l'ambassade des États-Unis en 2004 pour expliquer que si lui avait été au pouvoir, il aurait quand même été beaucoup plus doux que Chirac vis-à-vis des États-Unis. Bon, François Hollande, Nicolas Sarkozy, etc. Je rappelle que c'est son avocat à l'époque, un certain Éric Dupond-Moretti, qui a rappelé tout cela quand il défendait Assange, qui a rappelé tout ce que la France doit à Assange. Bon, il l'a visiblement oublié depuis. Je l'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs et je lui ai dit, monsieur le ministre, dans 15 jours aura lieu la réponse sur l'ultime appel de Julian Assange contre son extradition. Faites un geste, faites quelque chose, interpellez le président. Il a le pouvoir de décréter dès demain que la France donne l'asile à Julian Assange s'il peut partir de sa prison. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet. Il m'a répondu « Ah, mais vous n'y comprenez rien, c'est beaucoup plus complexe, je n'ai pas abandonné mon combat. » Ben si, quand même, un peu. Donc, comme d'habitude, ils nous feront pour des imbéciles. Je n'ai jamais pensé que si demain on dit que Julian Assange a l'asile en France, mécaniquement, on va le libérer de sa prison anglaise. Il n'en reste pas moins que ce serait un immense soutien symbolique pour lui, qui est victime de torture psychologique, de torture tout court, d'ailleurs. Et ce serait, à mon avis... Et d'ailleurs, il l'a demandé. Voilà. Donc si c'était si inutile que ça, pourquoi Assange lui-même a demandé à la France, entre autres, de lui octroyer l'asile? Ce serait l'honneur de notre pays de le faire immédiatement parce qu'il est dans une situation, vous le savez, terrible. Il est emprisonné. Alors il a d'abord été privé de ses mouvements, il a dû se réfugier à l'ambassade d'Équateur dans un placard à balai, enfin en tout cas dans un tout petit appartement, et ce n'était pas de la faute des Équatoriens, hein, je le dis. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Puis... à la faveur d'un changement politique en Équateur, il a été remis à la justice anglaise et maintenant il est dans une prison, dans une situation qui s'apparente à de la torture. Sa santé est très dégradée, on craint y compris le pire. Donc nous avons là un exemple de deux poids, deux mesures. Hein. On ne compte plus les prix Sakharov, les trucs donnés aux opposants cubains, aux opposants iraniens. Et il faut le faire, je n'ai rien contre, au contraire. Mais le problème, c'est qu'à un moment, ça commence à se voir en fait, on ne donne pas des prix dans nos instances qui défendent soi-disant les droits humains, on ne donne pas des prix en fonction de ce que font les opposants politiques et en fonction de l'intégrité de leur combat et de l'importance de leur combat pour les droits humains. On donne des prix en fonction du régime qui les opprime. Et ça, c'est très grave parce que ça sape, ça érode la croyance selon laquelle les principes, et je continue moi à y croire, les principes comme les droits humains sont des principes universels.
Bon, ben c'est pour ça que nous, à la France Insoumise, nous avions inscrit dans notre programme, et je crois qu'on est les seuls, mais ce n'est pas une manière de dire, en tout cas c'était gravé dans le marbre du programme, que nous donnerions l'asile à Julian Assange si nous étions au pouvoir. Et c'est pour ça que dans la continuité de notre proposition de résolution qui avait été faite dans le précédent quinquennat, j'ai moi-même porté, dès mon élection, on a travaillé sur une nouvelle résolution pour que la France donne l'asile à Julian Assange. Il n'est jamais trop tard, le chef de l'État peut, par décret, dès demain le faire, et il faut continuer à le demander, parce que seuls les combats qui ne sont pas menés sont perdus d'avance. Je vous remercie et je vous souhaite de donner la parole au collectif. J'ai été un peu long, mais parce que je voulais resituer. Maintenant, je laisse la parole au collectif qui va vous dire un mot sur le documentaire, et après, on enchaînera immédiatement. Avec une visio avec le père de Julian Assange. Je remercie Jean-Paul Radet notamment d'avoir mis ça en place. Il y a un des membres du collectif. Et on enchaînera immédiatement sur cette visio. Il y aura un débat, des questions avec lui, mais moi je ne prendrai plus la parole parce que j'ai déjà été très long. Merci. Je suis Dominique Fragalier et j'ai l'honneur de présider la Fédération internationale des journalistes, qui, comme vous le savez, représente environ 600 000 journalistes dans 187 pays. Nous sommes tous, toutes et tous, sont concernés dans le monde entier par la situation de Julian Assange. Pourquoi? Parce que c'est un journaliste qui a juste fait son travail. Et quand il a fait les révélations dont le monde entier s'est emparé, tous les médias les ont publiés, etc. Premièrement, il est le seul poursuivi, le seul. Deuxièmement, aucune de ces informations n'a jamais été démentie depuis plus de 10 ans. Troisièmement, contrairement à ce qui était dit par les Américains à l'époque, il n'a jamais mis en danger la vie de qui que ce soit en révélant ces informations. Voilà. Donc, symboliquement, dans le monde entier, tout le monde a les yeux fixés sur sa situation, en se disant, si un journaliste australien, c'est son cas, qui a publié en Europe, c'est le cas, devait être poursuivi par un tribunal interne américain, selon la loi interne américaine, plus personne, après, n'oserait ouvrir la bouche pour dire quelque chose dans le monde qui pourrait déplaire à l'administration américaine. C'est une évidence. Deuxièmement, tous les chefs d'État, de près ou de loin, gênés pour aller à piocher n'importe quel journaliste n'importe où et le traîner devant ses propres tribunaux. Donc je veux dire, c'est un cas symbolique extraordinaire. Et Julian, que j'ai eu la possibilité de visiter 2 fois à Belle Marche, en est assez conscient et je pense que c'est probablement une des choses qu'il fait encore tenir debout et droit et bien, parce que il voit bien que il est le symbole, il est le phare de cette liberté de la presse à laquelle nous sommes toutes et tous attachés. Dernièrement, hier, j'étais à Strasbourg au Parlement européen où nous avions une exposition de tous les prix qu'il a reçus, et comme le disait notre ami Le Gall, tous les prix qu'il a reçus depuis 15 ans pour la qualité et le sérieux de son travail. Et puis c'est formidable. Mais c'est tout pour le moment. Les opinions publiques et les journalistes qui ont profité de ces révélations, ces derniers n'ont même pas la reconnaissance du ventre, malgré nos interpellations. Donc on continue, on espère, on pousse, on y va. Et le 20 et 21 février, on vous l'a évoqué, c'est la dernière étape juridique nationale de ce labyrinthe effroyable dans lequel on l'a enfermé. Il est depuis 5 ans dans une prison de haute sécurité, seul 23 heures sur 24. Savoir ce que c'est. 23 heures sur 24 avec des assassins en série, etc. Bon. Et donc, ces 5 ans-là, qui le lui rendra? Ces 13 ans de vie pourris par les Américains, qui le lui rendra? Mais il faut au moins déjà lui rendre la liberté. Très rapidement, parce qu'il faut vous laisser voir le film et puis discuter ensuite et débattre.
Donc le documentaire Ithaca a été réalisé par Ben Lawrence, qui est un cinéaste australien. Il est produit en partie par le demi-frère de Julianne, Gabriel Shipton. Et peut-être que vous avez vu Hacking Justice, qui était un documentaire précédent sur l'affaire Assange, qui avait un angle plus juridique, parce qu'il suivait Balthazar Garçon, qui coordonne l'équipe de défense de Julian Assange. Là, c'est un angle plus intime, plus personnel, parce qu'on suit John Shipton, son père, et Stella Assange, sa compagne. Donc les deux films, à mon avis, se complètent bien. Ils sont dans son information. Là, il y a énormément d'éléments sur l'affaire Assange, sur la mise en place de la persécution. Donc on apprend beaucoup de choses. Mais si vous avez besoin d'éclaircissement par la suite, et puis peut-être vous expliquer ce qui va se passer le 20 et le 21, ben voilà, on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Et puis, je veux saluer la présence dans la salle de Joe Loria, au premier rang ici, qui est un journaliste américain, qui est un des meilleurs connaisseurs de l'affaire Assange, qui la suit de très près depuis longtemps. Donc, Consortium News, voilà, bon, c'est en anglais, mais vous pouvez vous informer très bien sur l'affaire Assange en allant lire les articles de Joe. Merci Joe d'être ici. Et bah, tout à l'heure. Merci. Avec John Shipton, que vous avez vu tout au long du documentaire. Je vais être très très bref, juste je donne la parole à... Je laisserai les amis dire, on évite les questions sur la vie privée, etc. Voilà. Pour la traduction, on compte sur votre mensuétude. Le traducteur habituel n'a pas pu venir, qui maîtrise parfaitement le dossier et l'accent australien. Mes deux collaboratrices ont proposé de traduire donc du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Elles se débrouillent très bien, mais c'est quand même un exercice en direct, etc. Donc soyez indulgents s'il y a un mot ou un autre qui voilà. Et enfin, il faudra bien poser vos questions dans les micros, parce que lui, il ne nous voit pas. Il n'entend que le son qui sortira de ses micros. Il ne nous voit pas. Nous le voyons, lui, il ne nous voit pas. On n'a pas installé tout un système de visioconférence pour filmer la salle. Voilà, je donne la parole à Laurent. Et on évite aussi les questions trop insistantes sur... Enfin, on ne censurera personne, hein, mais on sait tous que Julian Assange ne va pas bien. C'est pas la peine de le rappeler. C'est dur aussi pour lui. Voilà. On peut poser plein de questions, y compris sur la suite, sur... Enfin bon, poser les questions que vous voudrez, mais je veux dire... Merci, mais la parole revient déjà à Laurent pour le comité Assange, peut-être, ne serait-ce que pour le vin et la République. Oui, merci Dominique. Le 20 février, il y aura un rassemblement Place de la République à 18h. Donc, évidemment, c'est dans le cadre des audiences qui auront lieu le 20 et le 21 février à Londres. Il y aura également des rassemblements, bon, il y en a un peu partout dans le monde, mais en France, il y a déjà 6 villes qui participent, donc Paris, Strasbourg, Bordeaux, Metz, Ajaccio et Nice. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. À chaque fois, c'est le 20 à 18h. C'est organisé dans des villes. Oui, oui, chaque ville. Non, mais j'aimerais bien que la maire de Paris soutienne officiellement. Mais oui. Du contraire, c'est pas... Oui, ville participante. On va lui demander. Et donc, voilà, il y a d'autres villes qui vont s'y ajouter. Donc, voilà, si vous pouvez venir le 20 Place de la République, c'est appréciable. Peut-être vous dire un mot avant qu'on entende John sur ce que signifient en fait ces audiences. Il s'agit, pour la Haute Cour britannique, de se prononcer sur la recevabilité de l'ultime appel de Julian Assange dans le cadre du système britannique. Il ne s'agit pas d'examiner l'appel formellement, mais les deux juges de la Haute Cour vont se prononcer. Est-ce que, du point de vue du droit et de leur interprétation, cet ultime appel est recevable ou non? Et s'ils estiment que ce n'est pas le cas, là c'est terminé. Il n'y a plus aucun recours au Royaume-Uni. Et... Julian Assange peut être extradé très rapidement dans la foulée. Bon, il y a une possibilité de faire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais il y a beaucoup d'inconnus sur l'attitude du Britannique à l'égard de cette procédure. Est-ce qu'ils sursoiront à l'extradition le temps que le recours soit examiné?
Les avocats d'Assange vont déposer en parallèle une demande de suspension d'extradition. Mais il y a beaucoup d'inconnus et bon, il y a un aléa aussi juridique dans tout ça. Si Assange est autorisé à faire appel, alors là, on repart vers des mois et des mois d'attente avant que les audiences soient organisées, etc. Voilà, donc l'enjeu est colossal. Hein, c'est difficile de le dire autrement, parce que l'extradition, dans le pire des cas, Stella Assange nous l'avait dit quand elle était venue à Paris et qu'elle avait rencontré le député Le Gall. Elle avait dit, si cet ultime appel est rejeté, en 48 heures, Assange peut se retrouver extradé. Absolument. Donc, voilà. Alors, la décision des juges britanniques, qui sont deux en l'occurrence, peut être soit le 20, soit le 21, soit quelques semaines après, soit quelques mois après. Là, personne ne peut savoir, sauf les deux juges en question. Et personne à ce jour ne sait si Julian Assange sera autorisé à être à son procès, sinon par visio. C'est vous dire à quel point l'acharnement pour briser cet homme, pour briser cette famille, pour briser les soutiens est grand. Peut-être la veille, on saura s'il peut venir ou pas lui-même à son procès. Mais encore une fois, depuis le début, ce ne sera pas le procès de ce qu'il a fait, c'est le procès de savoir s'il doit être extradé ou pas, point. C'est-à-dire que personne ne veut entendre le fond du dossier. Personne. Personne ne veut savoir s'il a eu raison ou tort. Personne ne veut savoir si les journalistes... On fait l'écume judiciaire des choses. Et c'est bien ce labyrinthe effroyable dans lequel il est qui continue à se dérouler. Donc, beaucoup de gens le soutiennent, vous le savez, par le monde, vous l'avez vu, on l'a dit ici. Mais on sait très bien que ce cas ne sera sauvé que par les opinions publiques. Et on peut tous interpeller, en l'occurrence pour le 20 février à Paris, la maire de Paris. On peut tous demander à nos villes, quelles qu'elles soient, et j'ai déjà demandé à Paris de le faire citoyen d'honneur. Plus de 10 villes en Italie l'ont fait, dont Rome. 3 villes l'ont fait en France à ce jour. Bon... d'autres villes l'ont fait dans le monde, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. On peut interpeller les parlementaires, en dehors de ceux qui font beaucoup pour lui et que l'on remercie ici de tout cœur, mais on peut en interpeller d'autres, on peut interpeller nos élus, on peut interpeller les journalistes et on peut faire des manifestations. Chaque jour, je reçois des images du monde entier. Ils sont 3, ils sont 20, ils sont 100, ils sont 2000. Voilà. Font une manifestation devant le consulat de Grande-Bretagne, devant les ambassades des États-Unis, devant l'ambassade d'Australie. Je veux dire, on peut tous, toutes faire quelque chose. John est prêt, apparemment. Juste une petite précision, on n'a pas demandé l'autorisation à John Shipton avant de prendre des images de cette visio, donc je vous demande de ne pas en prendre, tout simplement parce qu'on ne lui a pas demandé. Ah non, on lui a pas demandé, c'est la dernière minute. Je pense qu'on peut profiter du moment. Puis c'est un moment, voilà. Can you hear us, John? Yes, I can hear you clearly, yes. Okay, perfect. Du coup, Charlotte va vous faire passer le micro pour les questions. Donc, vous pouvez lever la main et elle viendra vous voir. John ne pourra entendre les questions, enfin, il n'entend la salle que par les micros. Donc, il faut absolument parler dans le micro. Hi, John. This is Dominique Pradalier speaking. And nice to see you again. We are all with people around. We are going to ask you some questions. Can you hear me with this mic? No, he can't. Yes, I can hear you clearly. Okay, great. Yeah. That's such good news. I can. Okay, fine. So I say it again. Hi, John. Nice to see you. This is Dominique Pradalier. We are very...
very many friends around trying to ask you questions and trying to do their best to free Julian. Good to hear your voice again. So, qui a une question? C'est vous. N'ayez pas peur, allez-y. Hi. Yes. I'm an Italian journalist. I'd like to ask you, in Italy, Julian became like a citizen of many, many cities. We are proud of him, and also he has an Italian press card. And how do you think this is a fight also for freedom of the press? And your son is a hero of the press. How do you think this freedom can be preserved if your son Julian will be imprisoned or will be sent to United States? How do you feel? How you think this fight for freedom of the press will continue if there is an extradition? I imagine that the fight, if Julian's extradited, the fight will intensify, and it will include now all of Europe, the Council of Europe, and it will and Australia, South America, and if the extradition goes ahead, it will include the United States. So we will move to the United States, move to Washington, and continue the fight there. As you can see, in the background behind me, there is an angel over my shoulder. Mm. So with her help, we will prevail in this fight. Thank you, John. Si jamais Julian devait être extradé vers les États-Unis, le combat s'intensifierait et s'exporterait en Europe, en Australie, continuerait et que on irait, John irait aux États-Unis et que le combat continuerait et que au-dessus de son épaule est un ange qui veille sur le combat. Donc voilà. Hello, my name is Laurence Bonheur. I'm a French investigative journalist. And what you say just led me to a question. I was wondering, just at the end of the film, do you think that the American United States really wants this extradition? Well, you know. Good evening. Good evening. Good morning. certain parts of the United States government do pursue this quite vigorously. I think I would say that the Clinton group, the Hillary Clinton group, would like to see Julian and WikiLeaks completely destroyed. Yes. For some reason or other, Hillary Clinton thinks that Julian was active or principal in the failure of her attempt to become president of the United States. Mm-hmm. Myself would say that if you call half the electorate deplorables and expect to be elected, then you're quite deluded, you know. Oh, I'm sure that some American wants. Maybe I'll translate. Donc que en réponse que certaines parties de l'administration et du gouvernement américain souhaitent effectivement qu'il y ait cette extradition. Quelqu'un d'autre a une question? Hello, John.
I'm actually very surprised that no one asked the question about the title. The documentary was called Ithaca. I think we've lost Jonathan. It's just not moving anymore. John, can you still hear us? Yeah, we've lost him. Okay. On a perdu la connexion, je pense. Se mettre un peu en conformité avec les valeurs qu'ils prétendent défendre. Et donc certains doivent dire, si on emprisonne Julian Assange après une procédure expéditive avec un tribunal spécial, etc., c'en est fini de notre prétention à incarner les libertés. Donc, d'autres, dont je fais partie, peuvent considérer que ça fait bien longtemps que ces prétentions. Mais... Donc je pense qu'en vérité, ça discute beaucoup dans l'administration US et que c'est devenu le sparadrap du capitaine Haddock. Mais, et je terminerai là-dessus, à partir du moment où la menace existe, moi, à titre personnel, je considère qu'il n'y a même pas à spéculer. Je comprends parfaitement les interrogations, mais à partir du moment où la menace existe, qu'elle est là, qu'elle est réelle et qu'elle est réaffirmée régulièrement, il n'y a pas à spéculer. Il faut absolument empêcher, quoi qu'il arrive, que son extradition soit possible. Voilà. Cela dit, l'administration américaine dit, de toute façon, le premier amendement de la Constitution américaine qui protège le droit d'expression et les journalistes n'est pas applicable à Julian Assange puisqu'il n'est pas américain. Une petite chose juste sur la technique, on essaye de relancer et sinon on n'aura pas du tout de technique, mais on aura une petite vidéo. Mais je vais vous passer le micro parce qu'en fait sinon les gens ne vous entendent pas. Et plusieurs députés insoumis. Et du coup, je voulais savoir selon vous, qu'est-ce qui fait que cette proposition, elle se soit heurtée à une majorité de votes contre l'Assemblée finalement. Je suppose, j'étais pas dans les secrets du gouvernement à l'époque, mais j'y suis toujours pas d'ailleurs. Je suppose que c'est un peu la raison pour laquelle le Premier ministre australien. Malgré les 80% d'opinion favorable à la libération d'Assange dans le peuple australien, fait tout pour que la chose n'avance pas. Il y a des enjeux géostratégiques énormes. L'Australie, c'est un pays complètement, de manière consubstantielle, lié aux États-Unis pour leur défense, etc. Vous avez vu l'affaire des sous-marins, c'est sur les Five Ace. En France, j'hésite pas à le dire, même si ça peut paraître un peu faire des raccourcis, mais ce qu'on appelle l'atlantisme, c'est-à-dire la croyance que nous avons une communauté de valeurs et d'intérêts avec les États-Unis, est un camp idéologique très puissant et de longue date. Je vous invite à lire les débats de l'époque où De Gaulle décide de sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Il s'en est pris plein la figure. Y compris et d'abord par la droite, hein, qu'il accusait de trahir l'Occident, de tout ça. Il se trouve donc que la France, qu'un président français qui déciderait par décret, comme la Constitution lui autorise, de donner l'asile à Assange, s'expose à des rétentions, ils vont pas laisser passer ça comme ça. Mais à un moment donné, il faut le courage politique de le faire et il faut le courage de dire « stop ». Et de dire, y compris aux États-Unis, écoutez, nous aussi, on peut, on doit vous dire, à un moment donné, la nécessité pour que les principes que nous prétendons défendre dans la démocratie dite occidentale soient vus comme autre chose que de la poudre aux yeux et des belles phrases qui servent surtout à exprimer des indignations à géométrie variable en fonction de l'ennemi du moment, etc. Et voilà, il faut avoir le courage de le faire. Donc la résolution dont vous parlez, c'était en 2019. C'est très simple. Villani, il l'a expliqué. Il a obtenu déjà, de la part de son groupe parlementaire à l'époque En Marche, qu'elle soit discutée. Parce qu'une résolution, une fois qu'on l'a déposée, il faut que le bureau de l'Assemblée... accepte de la mettre à l'ordre du jour. Il a obtenu pour qu'elle soit discutée, il a fait la concession à En Marche de leur dire, écoutez, on va la discuter, puis à la fin de la discussion et des débats, au moins il y aurait eu un débat, je dis, bon, je la retire,
je sens que je ne vais pas gagner. Comme ça, il n'y a pas de vote. Donc ça prouve que ça les embêtait quand même de voter contre. Parce que c'est complètement contradictoire avec le discours officiel. Il se trouve que... C'est Villani est très drôle quand il raconte ça. Il l'a rencontré à la conférence. Il se trouve que chemin faisant, les débats commencent, les machins. Et là, il dit, bon, ben, je vais... Et là, il y a les administrateurs de l'Assemblée qui disent « Monsieur le député, on n'a pas le droit de retirer une résolution à la fin de la discussion, on doit la voter. On a le droit de faire pour un projet de loi, pas pour une résolution. » Du coup, ils sont allés au vote, par inadvertance. Bon. Et ils étaient très embêtés, voilà. Mais ils ont voté contre, tout a été fait pour que ça ne passe pas. Mais ça les mettait un peu dans leur contradiction. Raison pour laquelle, nous, on a repris le travail, et ça s'inscrit dans la continuité de cette résolution-là. On en a redéposé une, mais ils ne la mettront pas à l'ordre du jour. Parce que Chavez Chaudet craint l'eau froide. Et que, voilà, donc c'est... Mais on procédera par d'autres manières. On continuera à nous exprimer sur le sujet, on continuera à faire des tribunes, on continuera à soutenir, quand ils nous le demandent, les travaux du collectif. Et on continuera à mettre dans le programme l'octroi de l'asile à Julian Assange. Voilà, on ne peut pas faire plus. Je ne vais pas vous apprendre, je terminerai là-dessus, qu'en France, les décisions de ce type qui mêlent, alors là, ça mêle justice et politique étrangère, mais surtout ce qui choisit la politique étrangère, c'est verrouillé. On est sûrement le pays occidental dans lequel la politique étrangère est la moins discutée. C'est le président, il fait à peu près ce qu'il veut. Il y a de temps en temps un débat, on nous concède un débat sans vote de temps en temps sur des sujets majeurs. Waouh! Alors qu'on devrait en fait voter, voilà. Et je vais la faire en français parce que mes collaboratrices traduiront mieux et en plus comme ça ici on comprendra parce qu'elle a un intérêt en France aussi. This is Arnaud Legal speaking. So is the can you hear me? No. Can you hear me? Can you hear me now? Okay. So, excellent. So Arnaud Legal will speak now. He's the MP who organized this projection right now. And so he said, good morning. Okay, he said, good morning, and thank you very much for being here with us. Oh, it's a privilege and pleasure, and good evening. Thank you. ma question est très simple. En France, ceux qui ne veulent pas donner l'asile à Julian Assange, mais qui prétendent être des défenseurs de la liberté, utilise comme argument que donner l'asile. Et malgré cela, pourquoi il faut quand même que la France lui donne l'asile? Okay, so because in France, actually, human rights defenders and people who think, who pretend to defend liberties and freedom of press and speech and things like that, said that it would be useless anyway to grant Julian asylum, as well as our French Minister of Justice, he said that. He said that it would be useless to grant Julian the asylum, political asylum, because anyway other countries won't do it. Something like that, right? No. Because the UK won't free him. Okay? Can you get the question? And what is the purpose anyway to grant Julian political asylum here in France, despite the fact that the UK might not free him? Well, the first point is that France is a leader in the world and in particular Europe in human rights and human rights legislation since 1946. So the action of France in extending the possibility of asylum to Julian places France in the forefront of defending human rights. Parce que comme du coup la France est un pays leader dans les droits humains, et ça placerait en fait la France en tête du combat et ça donnerait aussi un signal. Our second point is that it is an act of sincerity and decency by the state of France to back its rhetoric with actions. I agree with that. And aussi, ce serait en fait comme très important que la France complète son discours avec une action concrète. Exact, en accord avec son discours.
tu veux demander un truc. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons, merci John, qu'on continuera à demander au président et au gouvernement qu'il donne l'asile à Julian Assange. So Arnaud said that for all these reasons, that despite the current situation, we will continue to fight for Julian to get the political asylum anyway. Thank you, thank you. You know, John, that on the 20th there will be lots of demonstrations around the world, especially in France. There are already nearly 10 towns who will march for Julian. I'm sure you've got lots of echoes around the world. Do you think it will help Julian? Do you think Julian will learn about it? Yes. I speak to Julian daily. He'll ring in a minute, and so I will tell him. I'll visit him in the jail on the 23rd, I think it is. So I will bring him up to date, and I hope to, Dominique, if you've got a minute, to have dinner with you on the 25th or 26th. Anyway, if you're available, I would feel privileged. Okay, I am, of course. She said she is. Okay, pardon. Je traduis. Oui, parce que c'est traducteur, si vous voulez que vous aidez. Hein. Ah, non, c'est pas ça. On a dit oui. Alors, en fait, ce qu'il a dit, en fait, c'est que oui, il parle très souvent, en fait, à son fils, Julian Assange. Hein, et que... Effectivement, ça lui fait vraiment plaisir, ça lui fait chaud au cœur. Can't remember what you just said. Can you just remember the two last sentences that you said about that point, so I can translate it? Il a dit que John allait l'appeler dans quelques minutes. Oh ouais, il a dit que John était sur le point de l'appeler, qu'il allait en fait tout lui rapporter ce qu'on avait dit tout ça. Il espère aussi que Madame sera là au rendez-vous pour le. Et puis, effectivement, elle a répondu présente. Ouais. Maybe a last question. Vous avez des questions? Vous voulez que je traduise? C'est correct? Ok. Because you said that Julian is about to ring you, right? So we won't take you too much time, I guess. Yeah. Et que John a usually rings in. Okay. So maybe one last question. Thank you. Yes. Good morning, John. Good morning. My name is Uba. Uba, and I'm really, really. Very honored to be able to talk to the father of Julian Assange tonight. I just had two questions for you. In fact, first of all, what do you think the coverage of the mass media, American mass media, is right now concerning Julian? Is it for or pro or con or against? And the second thing, what would be the outcome, you know, with the elections coming in the United States, which one would be the best for him, considering his position? And thank you very much for the answers. Thank you. Well, the American mass media is quite, I'll put it another way. Last November, the New York Times, the Washington Post, made editorials supporting Julian Assange. Their support is desultory. So they, in principle, support but do nothing. In fact, for years, they have done everything to ruin Julian Assange and support the executive. Mm. The second question. Maybe I'll translate the first part and then you can. John. Robert Kennedy Jr., I've done a platform with him, and he's continues to say very strongly that if he is elected President of the United States, he will free Julian. Equally, Trump's son
makes statements that his father, if elected, would look favorably on dropping the charges. The Marianne Wilkinson, who is a Democratic candidate, and Cornel West, who's an independent candidate, and the Greens candidate all state unequivocally that they will free Julian. Alors, Robert Kennedy Jr. a dit que on the 20th and the 21st. Yes, I'll be in London. And also thereafter, I'll come over to Paris to have dinner with Dominique and to see Jean-Paul and Legal and any other friends that are available. I would like to see very much. And après être allé à Londres, il viendra à Paris pour rencontrer. Jean-Paul et Arnaud avec plaisir aussi. Voilà. On a déjà. Thank you. Yeah. Can you first state your name, please? Arnaud Legal, French MP. And you're an MP. When did you get interested in Julian Assange's case and why? For more than 10 years, I was very interested in WikiLeaks revelations, specifically about the attitude of France and the French responsible, like François Hollande, etc., during Iraqi war. And I was very interested in the revelation about the fact that NSA spied our president. So I am a member of a political force in France which supports Assange for more than 10 years. With Jean-Luc Mélenchon, our candidate at the French presidential election, we had a visio with Julian Assange in 2012. In the assembly? No, it was in our in a political congress. You were not. When were you elected to the assembly? When did you enter the assembly? When were you elected? I was elected in 2022. So recently, and you are the one who started from getting other deputies interested in a resolution. Yes, but I'm not the first one. Okay. But in this mandate, I'm the first one who. I'm the one who impulsed. A proposition to give asylum, political asylum, to Julian Assange. Of course, he'd have to be on French territory in order to be offered that, correct? Yeah, it's very important symbolically that a country like France give him asylum. And if he is freed from his English prison, it could be a good... good place to come. No kidding. And he has and children. I think it's a matter of comment dit cohérence, Charlotte. To be cohesive with our values. Yes. We always say we are for human rights. We are for free journalism, etc., etc. And we do nothing. Well, the Americans say the same thing too. Yeah, of course. They're for free press, we and are democracy. Political. And keeping a journalist in jail. So what, you told me about 90 members of the assembly have support this resolution? This one, it's 75. 75. But the problem is that in France, foreign policy, because it's linked with, it's a matter of foreign policy, not only justice, because the strategic point is the relation with the United States. And foreign policy is not very, there is no debate about foreign policy. Everything is decided by the president, and the assembly has a very, very few. Has it always been like that, or for many years? Yes, in the Fifth Republic, it's like that. The foreign policy is considered as the special issue of the president. Hmm.
area, yeah. Reserved. And what does the president think about Julian Assange? Has he ever spoken about him recently, as anyway? The president, as a minister of justice, which who was one of the lawyer of Julian Assange, who said a few years ago, yeah. Julian Assange is very precious for France. Yes. He revealed that our president was spied, etc., etc. Right. But now that he is minister of justice, he does nothing, and the president Macron does nothing because he is very linked with USA. And he is one of the guys who will refuse to provoke USA. Right. And he's still the justice minister, the one who used to be involved in Julian's case. He's still the minister of justice. Dupont-Moretti. And he's doing nothing. So obviously it's instructions from Macron. I don't know. We don't know. What about the French public? I just see the result. Yeah. French people? Yeah. What do they think? French people, if you say all what Assange did, and you ask at the end, do you want him to be welcomed in France with political asylum, they will say yes. The problem is that all is done to keep silence about the situation of Julian Assange. And when we talk about it, they always, the press always talk about the sexual affairs, the alleged sexual affair in Sweden, look, he was maybe with Trump because, all the bullshit. Same problem. In Britain and the US media. To make a frog around the affair. And that's why, at the end, unfortunately, French people are not very aware of Julian Assange because media don't talk about him anyway. Thank you very much for your time. Bye-bye.